Bonjour les amis, nous allons vous présenter une procédure simplifiée de maintenance préventive pour un aspirateur à mucosité. Pour réaliser la maintenance d'un appareil médical de manière générale, il faut tout d'abord consulter la documentation technique de la marque et du modèle de l'appareil. Nous recommandons de réaliser la maintenance préventive de cet appareil tous les 3 mois. Cette procédure que nous allons vous présenter ne nécessite pas l'utilisation de testeurs spécifiques et s'adapte à tout type d'aspirateur à mucosité. Vous pouvez la télécharger via le lien sous la vidéo. L'aspirateur des mucosités est un appareil qui est utilisé pour aspirer les liquides corporels comme les sécrétions nasales, de la salive, du sang qui encombre les voies respiratoires d'un adulte, d'un enfant ou d'un nouveau-né. L'appareil sera relié aux voies respiratoires d'un patient via une tubulure adaptée. L'aspirateur des mucosités est généralement composé d'une pompe aspirante coupée en moteur électrique, d'un manomètre de contrôle de pression, d'un bocal de recueil avec un flotteur et d'un filtre antibactérien. La procédure que nous vous proposons ici se décline en 10 étapes. Première étape, contrôle visuel. On va vérifier tout d'abord si l'équipement est propre et si tous les câbles et accessoires sont présents. On va d'abord nettoyer l'appareil avec un produit détergent désinfectant approprié aux dispositifs médicaux ou avec de l'eau chlorée à 0,1%. Ensuite, on regarde bien si on a un filtre antibactérien, le manomètre, le bouton de réglage de l'aspiration, la connexion à l'alimentation et les câbles secteurs, le bouton marche-arrêt, la tubulure qui va de l'aspirateur au bocal et la tubulure qui va du bocal vers le patient, ainsi que le couvercle du bocal avec son flotteur. On va vérifier si les inscriptions sont visibles, si les étiquettes d'avertissement, les consignes d'utilisation et les inscriptions externes sont bien présentes et bien visibles, telles que la marque, le modèle ou le numéro d'inventaire. Deuxième étape, contrôle mécanique. On va vérifier la fixation du tubulure, du filtre, du couvercle et l'état du joint du bocal. On va vérifier l'état du support de l'aspirateur. On va vérifier la fixation du bocal sur le châssis. On va également vérifier les roues du chariot si notre aspirateur est sur un chariot. Troisième étape, contrôle à l'allumage. On va brancher et allumer notre appareil et vérifier que tous les voyants s'allument et qu'un bruit de moteur-pompe se déclenche au moment de l'allumage de l'appareil. On va ensuite vérifier le fonctionnement des boutons. On va vérifier que le manomètre est réglé sur zéro lorsqu'on arrête l'aspirateur. Quatrième étape, test de la batterie. Si l'appareil est doté d'une batterie, rechargez-la au maximum et vérifiez que l'appareil peut rester en fonctionnement au moins 20 minutes sur batterie. Cinquième étape, test d'obstruction. On va régler l'aspiration au minimum et vérifier que le manomètre est à zéro. Dans les cas contraires, c'est qu'il faut changer le manomètre. Ensuite, on va ajuster le bouton du réglage du vide au maximum et on va vérifier la position du manomètre. La valeur ne doit pas être en dessous de moins 0,15 bar ou moins 100 mm de mercure. Si la valeur est en dessous de celle-ci, alors il pourrait y avoir une obstruction entre les tuyaux d'aspiration et le manomètre. Dans ces cas, il faut vérifier que le filtre antibactérien et le flotteur ne sont pas obstrués. Sixième étape, test de fuite d'air interne. On va allumer l'appareil et ajuster le bouton de réglage de l'aspiration au maximum. On va boucher avec les doigts la sortie directe de la pompe, puis on va vérifier le manomètre. Le vide devrait monter en dessous de moins 0,6 bar ou moins 450 mm de mercure. Si ce n'est pas le cas, ceci pourrait indiquer une fuite interne ou une défaillance de la pompe. Septième étape, test de fuite d'air externe. On va allumer l'appareil et ajuster les boutons de réglage de l'aspiration au maximum. Puis on va boucher les tuyaux patients,
donc le tuyau qui est entre le patient et le bocal. On va ensuite vérifier le manomètre. Le vide devrait monter en dessous de moins 0,6 bar ou moins 450 mm de mercure. Si ce n'est pas le cas, ceci pourra indiquer une fuite vers le bocal, le tuyau ou le couvercle. Il faut vérifier que le couvercle est bien fermé hermétiquement, que son joint est en bon état. Huitième étape, test d'aspiration avec de l'eau. On va vérifier que le flotteur est bien fixé au couvercle. On va allumer l'appareil et aspirer l'eau à travers le tuyau patient. On va vérifier que le liquide coule dans le bocal. Neuvième étape, test de trop-plein. On va remplir le bocal de l'aspirateur aux trois quarts avec de l'eau. Puis on va aspirer lentement de l'eau jusqu'à ce que le bocal soit rempli. On continue d'aspirer et on vérifie que le flotteur de sécurité monte et arrête l'aspiration et donc l'écoulement de l'eau. Si l'écoulement de l'eau ne s'arrête pas et qu'il y a un débordement dans le filtre antibactérien, il faut arrêter immédiatement l'appareil et vérifier le fonctionnement du flotteur. Dixième étape, test de sécurité électrique. Nous vous renvoyons directement vers la procédure sécurité électrique que vous trouverez aussi en lien sous la vidéo. Une fois que nous avons vérifié notre appareil en suivant toutes ces étapes, n'oublions pas de compléter et d'archiver notre compte rendu et d'enregistrer les résultats de cette maintenance dans nos outils de suivi. L'appareil ne peut être rendu au service utilisateur que si et seulement si toutes les étapes sont validées. À vous de jouer !